Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Horizon Forbidden West. Comme d'habitude, mettez évidemment en 4K 60 FPS. Et nous en sommes à l'épisode 19. J'ai massacré, évidemment, un boss juste énorme. Je peux vous dire que je me suis régalé, c'était assez insane, même si honnêtement, j'avais très très peu confiance en moi. On va appeler ma monture et direction, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, la quête secondaire. Sachez que Ghostwire Tokyo a été mise à jour, c'est un très bon jeu, j'ai passé un excellent moment dessus, hein. Je l'ai fait en live, je suis sur Twitch tous les soirs, sauf le vendredi soir et le samedi soir. Il me faut un petit peu de repos, ça vous le comprendrez. Ok, on se casse. Désolé les gars, je voulais pas vous déranger. Loin, oh non. Un aller simple pour l'enfer, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas où je suis dans des fougères. Hervé la fougère. Hop, on est bon. Je suis très content, wow, de vous retrouver pour la suite, évidemment. Alors, il faut pas me foncer dedans tout de même. Un petit peu de respect. J'ai laissé ma monture, mais au moins, normalement, elle ne mourra pas. Ça en prend. J'ai perdu beaucoup de stuff dans toute cette histoire. Et ça en prend aussi. 120 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bah, une construction. Attends, quoi? Non, ça a l'air d'être des gentils. Je sais pas du tout où on est avec ces conneries. Mort. Je sais pas du tout où on est avec ces conneries. Mais de toute évidence, ce n'est même pas là ma quête. Et de l'autre côté du village, c'est Ombre de l'Ouest, c'est une quête secondaire. Souvenez-vous, on vous avait dit que au moment avant de revenir ramener toutes les quêtes, on ferait une petite quête secondaire des familles. Je ne pense pas pouvoir ouvrir ces portes. Les gens qui vivent dans ces ruines ne veulent pas de visiteurs. Ok. Donc, on doit pouvoir en faire quelque chose de bon. On va essayer de voir ce qu'il y a à faire. Peut-être discuter avec ces jeunes gens, je ne sais pas. Alors, rappelez-moi. Ah, attendez. Attendez, il y a forcément quelqu'un à qui parler. Je te vois. L'éclipse. Wow! Ok. Mort. On va récupérer sa petite. Voilà. Allez. Oh. Ok, on va. Déjà ? Quelle escroquerie. On va récupérer. Je vous avoue que je pensais pas tomber sur l'éclipse comme ça. J'en suis bouche bée. Wow. 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 Mort. Morte. Bon, je pensais pas tomber sur ça. C'est une tragédie qu'on vient de vivre là, mais c'est pas grave. On n'en reviendra que plus fort. Très bien. Ah ouais, ils sont nombreux en plus, oh là là. Ces machines semblent avoir été piratées. Il faut que je sois prudente. Ça, c'est des gens gentils. Ça, c'est des gens moins gentils. L'éclipse. Je vais devoir rentrer dans ces ruines pour. Il va y avoir du brisage de nuque, hein. Tant pis, hein. Première fois qu'on fait cette mort et c'est une belle mort, je vous le dis. Il y a des gens ici. Les Utaru. Est-ce qu'on les force à excaver okay. Ces ruines? Ok. Ok, on va marquer la cible aussi. Il y a un mec qui court, je ne sais pas où. Voilà. Euh,
Je peux me débarrasser d'une machine vite fait. J'avoue que ça m'arrangerait. Ok. Parfait. C'est beaucoup mieux quand on prend son temps. Excusez-moi. C'était une petite chèvre un peu encombrante. Je dois m'occuper des gardes de l'éclipse qui restent. Hop! Face gauche. Ok, il y a quelqu'un d'autre en bas. Très très bien. Parfait. Ok. C'est parfait, 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 parfait. Là, on est en train de se régaler. Ce que je vous propose, c'est de la régalade et uniquement de la régalade, hein. Rien d'autre. Je dois m'occuper des gardes de l'éclipse qui restent. Ok. Alors, on va prendre peut-être des petits cailloux. J'avoue que je préfère me débarrasser de la machine plutôt que de l'homme. L'homme n'est que pacotille. Le plasma a l'air d'être inutile. Le site de fouille est attaqué! Ok. Toi, mais t'as emmené ton grand-père à l'école ou quoi? 2, 3. Ok. Parfait. Bon, écoutez, j'ai été cramé, mais c'est pas non plus. Attendez, on va récupérer l'arme lourde parce que là je vois pas ce qui m'a attaqué là. C'est à moi. Oh, désolé, mais ça prend des gros coups de Gatling, hein. Voilà. Allez, ça dégage. La petite racaille humaine, ça a pas commencé à me casser les couilles, je vous le dis, hein. Ok. What else? Il reste plus qu'une machine. Ok, pas de soucis. Ah bah, c'est ridicule un peu là comment je suis tombé. Alors attends, j'arrive ma bibiche. Parce que là, je vous avoue... Elle est où? Elle est là. Non? Bichette? Bichette? Ok, regardez ça. Terminado. Bon, ouais. Et ben voilà, Ombre de l'Ouest c'est fait, ils vont me laisser rentrer dans le village maintenant. Pas de soucis, allez, on se barre. Niveau atteint. 3 points de compétence, ça c'est bon. Alors, laissez-moi ramasser un petit peu tout ce qu'il y a à ramasser, s'il vous plaît. Donc comme je disais, pouvons-nous parler, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer. Ça s'ouvrira pas de ce côté, il y a un genre de serrure spéciale.
Enfoiré de l'éclipse. Bon débarras. Alors, Vezeray s'est trouvé une vraie forteresse pour s'y terrer. Écoute, si tu veux les arrêter, tu peux entrer par le grand échafaudage. On n'a pas encore fini de renforcer le mur sud. Vezeray se planque de l'autre côté de la fosse. Qui es-tu? Et qui sont les autres? Je suis Yef. Nous sommes des Outaru. L'éclipse rôde aux alentours de Mélopée pour essayer d'enlever des gens. Sans ton aide, il m'aurait tué à la tâche. Alors l'éclipse vous a enlevé? Ouais. J'étais sorti... explorer il y a quelques semaines quand ils m'ont eu. Explorer? Eh bien, disons plutôt essayer de trouver des pièces. Mélopée n'est pas agréable à vivre en ce moment. La nourriture manque. Et on s'ennuie. Évidemment, ça reste mille fois mieux que ce trou. À l'avenir, je resterai près de chez moi. Tu as une idée de ce qui m'attend à l'intérieur? Des sbires de l'éclipse, des machines tueuses, des armes redoutables des anciens. Quel genre d'armes? Tu crois qu'ils me l'ont dit? C'était bien si je passais un jour sans me faire battre. Mais leur chef radotait à propos de pouvoir ancestral de la mort. C'est inquiétant. Tu devrais peut-être rentrer chez toi. Et rater l'occasion d'assouvir ma vengeance? Je veux t'aider. Alors reste ici et laisse-moi me battre seule. Si je libère des Outaru, ils seront ravis de voir un visage connu. Bonne chance à toi, alors. Bon, bah, je vais profiter du spectacle. Ok, donc suite de la mission, ça aurait été beaucoup trop facile que ça s'arrête là, évidemment. On va quand même récupérer ce petit truc sympa que j'avais repéré il y a de cela quelques minutes. Résultat à 128 mètres, donc je dois faire tout le tour. Mais alors, est-ce que je peux faire tout le tour en passant tout droit? Ou est-ce que je dois plus passer derrière? J'en ai strictement aucune fichue idée. Attends, il y a un creuset? Non, c'est un village. Frontière de l'ombre, ça doit être un village. Plus qu'un creuset, je pense. Oh là 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 là. On va passer par là. Hein. Ça me paraît pas mal, voire adéquat. Ouais, on va pouvoir faire tout le tour. En vrai, c'est un peu con leur truc, parce que quelqu'un d'un peu souple, d'un peu agile, peut facilement s'incruster dans leur village, tu vois. Garde. Hop, j'ai juste à rentrer au calme. On n'en parle plus. Ok, parfait. Parfait, parfait. On est sur les hauteurs. Sympa leur petit village là. Sympa, sympa, sympa. Bon, bah écoutez, c'est un peu plus vers la droite. Si je ne m'abuse. Oh putain, oui, c'est même beaucoup plus vers la droite. Ok, ça en prend. Oh non, trop bien, il y a des chèvres en hauteur. Des chèvres grimpeuses. Ok. Très très bon ça. Bon, ça m'a coûté cher en... Impossible d'entrer ici. Je dois être dans les limites du réel. Je dois être dans les limites de la carte. Dommage. Oups, ça prend. Fleur azurée, ça a l'air rare, non? Hop, ça. Eh, mais je suis teubé, moi. Attends, pourquoi je veux passer par là? C'est en bas. Pourquoi je voulais aller... Ça avait l'air incroyable, ça. Ça doit être... des trucs d'ancienne guerre, tu vois. Et je sais pas pourquoi je voulais passer par là. Attendez, ça me paraît assez complexe, là, tout ce qui est en train de se passer. Ok. Très belle plante ici. Très bien. Et maintenant? Maintenant, maintenant, maintenant. Ouh! S'il y a tout ça, c'est qu'il va y avoir embrouille, là. Il va y avoir bagarre. Il y a moyen que la seule ici, ce soit la bagarre, non? Ok. Et maintenant? I don't understand. Oh, un hibou. Oh non. Où est le hibou? Ok, donc je suppose que c'est un peu plus bas, c'est ça?
C'est une grotte en dessous? Alors attendez, on va prendre le risque de redescendre. Ah, faut pas que je me fasse cramer. Ah merde. Qu'est-ce que j'ai branlé là? Ça va, Bichette? Hop, 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 on se calme, Bichette, on se calme, tout doux. Oh là 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 là, je suis pas prêt d'y arriver hein, avec ces conneries là. Hein. On va passer par là. Il m'a pris. Bien joué à lui. Les problèmes. Ok. Les problèmes, toujours les problèmes. Ok. Parfait. Calmez-vous, calmez-vous, que tout le monde se calme. Je prends ma part gratos. Vache. Voilà. Et toi, mon pote? Hop, je pardonne pas. Brisage de nuque. On oublie, mais on pardonne. Ça ne veut rien dire. On n'oublie pas, mais on pardonne pas non plus. Bon, bref, on fait rien, quoi. Vous l'aurez compris. Ok, toi, on va aller te chercher, mon pote. Ça fait mal. Et ça, ça fait mal. Et ça, ça fait mal. Putain, t'es un guerrier, toi, mon ref. Hein. Ok. Très bien. On va essayer de faire le snipe. Nous sommes libres. Libres de conquérir. Beaucoup, c'est con. Ok. Oh putain, on se casse. Vache. C'est quoi ton masque, mon ref, là? Merci. Vache, vous avez vu d'où il me la colle? Mort. Presque mort. Mort. Ok. Allez. Ok. Waouh. Parfait. Mort. Allez. Mort. Aucun problème. Moi seul peux vous guider. Ces enceintes doivent être connectées à une source d'énergie. Car je ne suis plus un simple humain. Sûrement dans cette grande structure. Je maîtrise le pouvoir de la mort. Ok. Sûrement dans cette grande structure. Alors attendez les gars, parce que j'étais en train de me battre moi en fait. Hein. J'étais en train de me battre. Sûrement dans cette grande structure. Hein. Ça je veux. Ça je veux bien. Ah, je l'ai. Ils doivent parler de cette porte de bunkers. C'est ça? Sur cette forteresse. Nous bâtirons les fondations de notre empire. Ok. Nous régnerons en maître. On va récupérer ça parce que je pense que c'est rare.
Ça, on prend aussi. Ça, évidemment qu'on va fouiller. Ça, on prend aussi. Et ça, on fouille. Très bien. Next. Allez, on va passer par là. Bon. Bibabibaboum. Que se passe-t-il? Qui est-elle? Des prisonniers ou... Aidez-nous! Calmez-vous tous. Je suis là pour et vous libérer. Nous arrêterons pas. Merci infiniment. Allez, barrez-vous. Je veux plus vous voir. Tenez bon. Je vais vous sortir d'ici. Vous êtes hors de danger. Partez aussi loin que possible. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Faire un coup de ménage. Toute seule? C'est la mort assurée. Bien sûr. Pour les esclavagistes. Allez, vous tous. Trouvez un endroit pour vous cacher pendant que je termine. J'ai plus qu'à m'occuper de Vezray. Bon, alors attendez, parce que ça sent encore les problèmes, cette histoire. Déjà ici, on a quelque chose. Voir dans le carnet, on peut carrément lire... C'est fini. Les robots sont là. Activation de la séquence de détonation. Alpha, Charlie, Echo... Et bientôt... Merde! La sécurité veut pas se désactiver. Et j'ai pas le temps de le faire manuellement. C'est fini. Oh, les problèmes! L'art des anciens n'obéit qu'à mes ordres. En maîtrisant leur pouvoir, j'assurerai notre avenir. Tu devrais peut-être commencer par te trouver un abri. Ah. La sauveuse de Méridian. Comme c'est gentil de venir te... Ferme-la, Vezray. C'est fini. Loin de là, tu nous as certes chassés de l'hélium. Mais le moment de notre vengeance est venu. Ah! Ravageur va pas me faciliter la tâche. Il faut que je l'élimine. Vite! Oh, ça c'est beau jeu. Je peux encore trouver. Oh, ça c'est beau jeu. Hop, 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 doucement, petit. C'est la première fois que j'apprends ça, non? Hop, 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 doucement, petit. Viens par ici, oui, biche. Hop, 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 doucement, petit. Il veut pas me lâcher sa batterie, hein. Allez, viens. Oh, viens pas finalement. Voilà, une batterie de lâcher. Mort. Vezray, t'es le prochain sur ma liste. Ok. Ah, j'ai pas prévu ça. Ok. Oh, les problèmes, les problèmes. Headshot. Oh non. Headshot. Et fin. Ça dégage. Let's go.
Qu'est-ce que je donnerais pas pour te voir mourir? Tu vas devoir faire bien plus que ça. Pas avec ceci. Nous disparaîtrons ensemble instantanément. Meurs, vermine. Tu vas bien ? Oui, oui, ça ira. J'espérais juste que tu briserais les genoux de ces pourritures, mais ça... C'est magnifique. Les autres, je leur ai dit de se cacher, ils sont... Tout le monde va bien. Ils ont trouvé un abri sûr. On va camper un peu ici, le temps de retrouver nos forces. Puis je les ramènerai à Mélopée. Merci, Yev. Écoute, quand il partait dans ses divagations, Vezeray parlait de ses anciens camarades, qu'ils arriveraient d'un jour à l'autre. On sera en sécurité ? Je sais pas. Mais je compte le découvrir. J'ai l'impression que Vezeray a passé du temps ici. Je vais jeter un coup d'œil. Pour voir s'il n'y a pas d'autres soldats de l'éclipse. Chers adeptes, si vous voyez ceci... Chers adeptes, si vous voyez vous ceci, quitté l'Hélium en quête d'un nouvel objectif. Ok. Votre périple touche à sa fin. Suivez le soleil au-delà des portes de Cagnard. Et baignez dans le crépuscule de votre conquête future. Un nouvel empire vous attend. J'ai déjà vu ça. Je crois que c'était les derniers. Bon. Ça, c'est abusé, cette lance. Hein. Très, très bien. Eh bien, c'est une bonne chose de fait. T'as trouvé quelque chose ? Bah ouais. Mais alors... Ah, peut-être là-dedans ? Ah non, faut que je trouve un moyen de rentrer de l'autre côté. Bon. Bah alors, les bichettes ? Je pourrais fouiller la zone avec mon focus. Alors ! Oh lolo, ça c'est intéressant, mon petit pote des boîtes antiques! Oh lolo. Ah, il y a autre chose là. J'ai laissé un message dans les couards. Si les autres sont encore en vie, ils le trouveront et me rejoindront ici. Pas si je dis ce que j'ai fait. Un coffre antique, je ne sais. Oh bah d'accord, j'ai fouillé à travers. Ok, ok, ok. Bon, je pense que ça arrive, hein, ça arrive. 5 tribus. 5 bombes. C'est ce qu'il me faut. C'est le Seigneur des Anneaux. Une fois leur capitale en ruine, ils n'auront pas d'autre choix que de se soumettre. Une chose que je dois reconnaître, Vezeray voyait grand. C'est okay. Tout ce que j'avais besoin de savoir. Je devrais parler à Yev pour lui raconter ce que j'ai trouvé. Yo mon Yev, ça va ou quoi? Bien la mif! T'as trouvé quoi? Les camarades de Vezeray sont morts. Les Outarou n'ont plus rien à craindre de l'éclipse. Et le reste du monde non plus. Bon. Je vois pas ce qu'un train de misère comme moi pourrait faire pour aider quelqu'un comme toi, mais... Si t'as besoin d'un service, tu nous trouveras à Mélopée. Je les trouve hyper intéressantes, les quêtes annexes. Ça, c'était qu'une quête annexe, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Franchement, je les trouve vraiment, vraiment cool, hein. Quoir sauvé. Let's go. Des points de compétence, en veux-tu, en voilà. Ça, on a tout ce qu'il faut à ce sujet-là. Bah écoutez, on va se mettre les points de compétence. Ça me paraît pas mal. En quête annexe, on n'a plus rien. On va pouvoir faire néanmoins le creuset lors du prochain épisode qui se trouve ici, évidemment. Et d'ailleurs, je peux faire voyager. Mais alors, voyager où? Là, genre? On va voir. Attendez, je... Total mystère et boule de gomme. On va voir si je peux vraiment voyager partout.
dans ces cas-là. Ok, c'est incroyable. Donc on va faire le creuset. Et on verra ça, évidemment, au prochain épisode. Avant tout, on va quand même se mettre quelques points de compétences, n'est-ce pas? On va prendre ça. Hop, donc les smokes. Effectuez un puissant tir alors que vous êtes à genoux. La flèche explosera à l'impact. Incroyable, ça. D'accord. On va faire ça. On va faire ça. Là, on va monter un petit peu ici. Il me reste 2 points de compétence. Réparer les machines piratées endommagées en dépensant moins, ça me paraît cool. Quoique, c'était ça qu'on avait dit qui était pas mal. Inflige plus de dégâts. Attendez, attendez. Ouais, mais il y a ça aussi, tu vois. Gagner de la bravoure quand les ennemis vous touchent. C'est pas mal non plus, ça. Même si j'utilise pas assez mon pouvoir de bravoure, je vous l'avoue. Ah, ça coûte 2 maintenant. Oh la vache. Comment ça coûtait cher, cette connerie. Allez. Ah, parce qu'il faut quand même tout améliorer. On va pas abuser, on n'est pas des rats, hein. Allez. Creuset au prochain épisode. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. A bientôt tout le monde. Bye bye.